m'appelle Florence et je suis en rémission d'un cancer de la thyroïde. Mon nom est Benoît Allé, je suis le père de Félix qui, lui, a inspiré un programme qui s'appelle le programme à Félix. Je m'appelle Joanne Simard, je reçois présentement des traitements pour un cancer et je bénéficie des services de la Fondation québécoise du cancer. J'ai entendu parler de la Fondation québécoise du cancer à un moment de ma vie où j'en avais vraiment besoin. C'est une grosse épreuve, surtout quand on a 13-14 ans. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir compter sur quelqu'un aussi avec qui je peux échanger et comprendre plus sur le sujet. J'aimerais dire à tout le monde de ne pas être gêné, de ne pas avoir peur d'entrer en contact avec la Fondation québécoise du cancer, puisque c'est le meilleur moyen de se sentir moins seul. Félix a toujours voulu que ses amis, que ses proches fassent des choses très concrètes. La Chambre à Félix, ça a été le premier projet. C'était vraiment un besoin qui était évident que les jeunes adultes aient leur chambre à eux. Il y a plein de choses qui peuvent être faites au niveau du bénévolat, au niveau des activités, pour aller ramasser des sous, soutenir les gens qui sont atteints du cancer. Quand je suis arrivée la première fois au centre de chimiothérapie, j'ai eu la chance de croiser une massothérapeute qui m'a expliqué les services, qu'est-ce que je pouvais avoir. Et là, j'ai fait comme « wow ». Merci, j'en ai besoin. Quand tu apprends que la Fondation t'offre des services complémentaires à ce que tu peux recevoir, c'est nécessaire à ton traitement. Un Québécois sur deux est à risque d'avoir le cancer. Pour que ces services nécessaires soient offerts aux patients, soyons généreux, donnons à la Fondation. Pour qu'un tel programme demeure accessible à tous les jeunes adultes qui sont atteints du cancer, bien, on compte vraiment beaucoup sur votre contribution. Ces services sont indispensables, tant le soutien physique, l'accompagnement, l'hébergement. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Grâce à la Fondation québécoise du cancer, on est plus proche qu'on pense.